mwenye alisha kutayarisha chakula hii. Atupende kuona mtu tukone wewe Yesu Kristo katikati yetu. Hivi utasema sisi tutakubali na tutasema amina. Mwanzo katikati na vile utamaliza kushibakia hata kadoko vyote tuidikule na apeti yote ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi mfalme wetu. Amena. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous le disons avec amour, que Dieu vous bénisse. Tunayasema katika mapendo, Mungu awabariki. Si Dieu ne bénit pas, il n'y aura pas de bénédiction. Kama Bwana ashibariki, hakutakuwa baraka. S'il n'y a pas de bénédiction, il n'y aura rien. Kama hakuna baraka, hakuna kitu. Vous passerez sur la terre comme l'ombre. Utapita katika inchi hii kama vile kivuli. Vous ne laisserez même pas de traces. Hautaacha hata mistari kitoko. C'est pourquoi na jo kwa mana, la bénédiction de Dieu est tellement nécessaire dans notre vie. Baraka ya wa milele inakuwa ya mafaa kabisa ndani ya maisha yetu. Et si Dieu nous bénit, na kama Bwana anatubariki, nous sommes réellement bénis. Kwa kweli tunabarikiwa. Nous n'allons pas tergiverser. Atezi kuyapindula. Nous allons recevoir la bénédiction na de Dieu. Na tutapokea baraka yake. Dieu est grand en tout. Mungu ni mkubwa. David dit, ce que tu bénis, ô éternel, il est ambapo unabariki ô wa milele, est béni pour l'éternité. Inabarikiwa kwa wa milele. Si Dieu te bénit, kama Mungu anakubariki, il est béni pour l'éternité. Kwa kweli unabarikiwa kwa ce n'est pas seulement une portion. Aiko tunju ya semu kidogo. Le nom de Dieu est grand. Na jina la Mungu ni mkubwa. Et quand il bénit, wakati anabariki, c'est en fonction de sa grandeur. Et kupitia na ukubwa wake. Oh Dieu est bon. Oh Mungu ni mwema. Et fidèle. Mungu ni mwaminifu. Dieu est glorieux. Mungu wa utukufu. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour celui qui vit d'éternité. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous c'est bien aimé. Nini wapendwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous disons merci à notre papa. Tunasema asante kwa mzazi. C'est lui notre berger. Yenjo mchungaji wetu. C'est lui notre pasteur. Yenjo pasteur wetu. C'est lui notre conducteur comme l'ancien Jean l'avait enseigné. Na yenjo kiongozi wetu kama vile mzee Jean alisema. C'est lui notre formateur. Yenjo konetunga kweli. Papa, merci beaucoup. Baba asante. La chair ici c'est sa chair à lui. Ibi bali ni yake. C'est à lui. Ni yake tu. Quand il nous cède, wakati anatupatia par pire amour. Nani kupitia mapendo tu. Qu'il a dit, anasema, moto va prêcher aujourd'hui. Ah, moto wende kukubiri. Et moi je prends ma part. Na mimi nabeba sehemu yangu. C'est lui qui autorise. Jo mwenye anaruhusu. C'est pourquoi moi je demande toujours à Dieu. Na jo kwa maana kile wakati mimi naomba Mungu. Il lui ajoute des jours agréables. Mungu apate kumongezea masiku. Il lui ajoute toujours des jours agréables. Mungu apate kweli kumongezea masiku. Et que Dieu continue toujours à le bénir. Na Mungu aendelee kabisa kumbariki. Que Dieu bénisse également les anciens de l'église. Mungu abariki pia wazee wa kanisa. Vous tous qui formez les collèges. Wale ambapo wanakuwa katika kikundi cha wazee. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous êtes formidables. Kwa kweli mnakuwa wa majabu. L'œuvre du Seigneur avance avec vous. Na kazi ya Bwana iko inaendelea kupita ninyi. Dieu se souviendra toujours de vous. Na Mungu atawakumbuka pia. Vous bénira et bénira vos familles respectives. Atawabariki na atabariki majamaa yenu yote. À cause de l'œuvre du Seigneur que vous accomplissez chaque jour. Juu ya kazi ya Bwana ambapo mko natenda. Que Dieu bénisse les choristes. Mungu abariki makwaya. Vous qui louez l'Éternel Dieu. Nina ambapo mnapotukuza jina la milele. Parce que vous l'élevez chaque jour. Kwa sababu mnamnyanyua kila siku. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kwa utele. Que Dieu bénisse toute l'assemblée.
afin que vos vies soient précieuses devant sa face. Parce qu'il est éternellement Dieu. Que nous soyons en vie, que nous soyons morts, Dieu sera toujours Dieu. Devant moi, il y a trois horloges. Les trois indiquent des heures différentes. Je ne sais pas laquelle il faut considérer. Nous allons faire notre propre choix. Sans plus tarder, nous lisons 2 Samuel, chapitre 9, verset 7. Bila kukawa, tutenda kusoma Samueli wa pili, sura yake tisa, kusomea. 2 Samuel, chapitre 9, verset 7. Samueli wa pili, sura yake tisa, kusomea musaba. Nous lisons. Amen. David lui dit, ne crains point. Alléluia. Car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Mm-hmm. Je te rendrai toute la terre de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire aussi en swahili, s'il vous plaît. Daudi, Mephibosheth. Daudi akamwambia, usiogope. Amen. Kwa maana hakika nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan na baba yako. Mm-hmm. Na nitakurudishia mashamba yote ya Saulo baba yako. Mm-hmm. Na utakula mkate kwa meza yangu daima. Alléluia. Amen. L'histoire de ces messieurs. Historia ya huyu mtu. Mephibosheth est le petit-fils de Saul le roi. Mephibosheth na wakana wake wa Saulo. Non, il est le petit-fils de Saul le roi. Ah, anakuwa mjugu wa mfalme kweli Saul. Alors, Jonathan est son père. Jonathan na baba yake. Jonathan est son père. Jonathan anakuwa baba yake. Voilà, si tu me tires, le temps va aller vite. Jonathan est le père de Mephibosheth. Jonathan anakuwa baba wa Mephibosheth. C'est comme ça que après la mort de Jonathan qui était ami à David, ni kule ambapo kisha kifo ya baba yake ambapo alikuwa rafiki wa Daudi. Et quand David commence à régner dans tout Israël, wakati Daudi anaanza kutawala katika nchi, il se souvient de son ami Jonathan. Akakumbuka rafiki yake Jonathan. Et il récupère Mephibosheth qui était le fils de Jonathan. Ule ambapo alikuwa mtoto wa Jonathan. Mephibosheth, en venant chez le roi, il avait peur. Wakati Mephibosheth alifika kwa mfalme alikuwa na boka. Mais le roi lui dit, lakini mfalme akamwambia, ne crains point. Usiogope. Car je vais te faire du bien. Kwa sababu utakutendea mema. Je ne vais pas te tuer. Mimi siwezi kukua. Je vais te faire du bien. Mimi nitakutendea mema. La Bible déclare que cet homme était perclus des pieds. Na Biblia inasema huyo mtu alikuwa na kilema ya miguu. Il savait pas marcher par lui-même. Hakuweza kutembea peke yake. C'est-à-dire sa mobilité était réduite. Alors, le roi le récupère malgré son état. Et il lui dit, toute ta vie, tu mangeras sur ma table. C'est la table du roi. C'est l'endroit que tout le monde a envie d'aller manger. Si vous allez manger à la table du roi, même vos avis seront changés. Voilà, on va changer votre habillement. Tu ne peux pas avoir tes lambeaux et aller manger sous la table du roi. Voilà, donc tes habits seront changés. Ton approche va changer. Les gens qui ne te respectaient pas vont commencer à te respecter. Parce qu'ils savent que cet homme, si tu lui fais du mal,
Il mange avec le roi. Il risque d'aller t'accuser chez le roi. Et ta vie aura des problèmes. Donc cet homme a reçu des avantages. Des histoires qu'il n'avait pas. Qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Et il obtient tout. Moi je pense que même l'endroit où il allait dormir ne pouvait qu'être un bon endroit. S'il tombait malade, il allait être pris en charge par les rois. Parce que le roi devait poser la question. Quand on présente la nourriture, où est Mephibosheth? On dit le roi il est malade. Et allez le faire soigner vite vite. Parce que c'est un homme qui comptait pour le roi aussi. C'est Mephibosheth qui est resté pendant longtemps, imagine, chez le roi en train de manger là-bas. Ce que je ne sais pas par rapport à cet homme, ce que je ne sais pas, c'est qu'il était mort avant le roi David, ou il est mort après le roi. La Bible ne le dit pas. J'ai cherché partout pour savoir quand est-ce qu'il était mort. Je n'ai pas trouvé. Je suis allé fouiller dans la règne de Salomon. Je n'ai pas vu Mephibosheth. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme qui avait reçu les avantages pendant le règne du roi David, il a disparu. Je ne sais pas où il était parti. Il est passé par où? En m'imaginant moi-même, je me suis imaginé ceci. Parce que quand Salomon prend les règnes, tous ceux qui étaient avec David, tous les gens qui travaillaient avec David ont transité pour aller vers Salomon. Les autres étaient écartés. Les autres étaient remis dans leurs fonctions. Je n'ai pas entendu ou je n'ai pas lu sur la liste le nom d'un certain Mephibosheth. C'est-à-dire, s'il était en vie pendant que Salomon régnait, Salomon l'a mis de côté. Parce qu'il y a des gens que Salomon avait mis de côté, qui était très proche de David, mais Salomon les a mis de côté. Je pense, ça c'est ma pensée, que Mephibosheth aussi fut mis de côté. Parce que lui et Salomon, il n'y avait pas tellement de grands liens. Mais David, avec lui, il y avait des grands liens passant par Jonathan. Cet homme, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais au moins, pendant le règne de David, Mephibosheth a su profiter, a eu des avantages qu'il n'avait pas. Mais ces avantages-là, il les a eu pendant un moment donné. Et quand David est parti, les avantages ont cessé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Moi je pense que si mon Mephibosheth était en vie, quand David était là, il pouvait se dire que ce règne dure longtemps. Que ce règne dure longtemps. Parce que ici, au moins, je sais bien manger. Je sais bien dormir. Je sais être en sécurité. Mais quand le roi meurt, on l'écarte. On le met dehors. On dit, tu as eu ta part.
Tu as été champ. Na mashamba yako. Va maintenant travailler. Wende sasa na utumike. Ici, apa, ta place fasi yako sera occupée par une autre personne. Itakuwa na mtu mwingine. Et Mephibosheth ne pouvait pas résister. Na Mephibosheth akupasha kweli kushitashita. Allez résister avec qui? Akupasha kushitashita kushama nchini na nani? Est-ce que Salomon ne le connaissait pas bien? Kwa sababu Salomon ashikumjua mzuri. Savait que c'était le fils de l'ami de mon père. Kwa sababu alijua ya kwamba ni mtoto wa rafiki yangu. Non, le fils de l'ami de mon père. Kwa sababu alikuwa mtoto wa rafiki wa baba yangu. Voilà. Donc les relations entre lui et Salomon, ce n'était pas des relations. Kwa sababu ile uhusiano yeye Mephibosheth na yeye alikuwa pamoja. C'est, voilà, c'était pas très forte. Haikuwa ya nguvu. Donc c'est tout à fait normal que Salomon puisse les mettre de côté. Kwa sababu inakuwa tu ya mafaa amweke pembeni. Et Mephibosheth s'en va. Mephibosheth hapa anaenda. Si j'étais à sa place, comment il croit pas face à toi? J'allais aussi partir. Ni le tajio na mikuenda. Dire mais. Tu es super quoi? Na kusema hapa nitabaki ni fanye nini? Celui qui me protégeait vient de s'en aller. Ule ambapo anaanza kunichinga anesha yeye. Moi aussi bon. Celui qui vient d'arriver là avec lui, il me voyait sur la table bien sûr. Na mimi hapa ule ambapo alianza kunyona kumpembeni yake, hapa hakuna tena namna. Me voyait sur la table. Alianza kunyona katika meza yake. Nous sommes au Congo ici. Vous-même vous voyez quand le pouvoir quitte d'une personne à une autre. Ce ne sont pas tous ceux qui étaient là avant qui se retrouvent. La plupart sont mis de côté. De côté, ce sont les autres qui arrivent. Partout c'est comme ça. C'est comme ça partout. Quand quelqu'un règne, il amène aussi ses amis et ses frères. Partout c'est comme ça. Donc Mephibosheth lui ne pouvait pas faire exception. Mais quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Ce que j'aime ici, c'est ce qui vient d'arriver après. Nous allons lire dans Luc chapitre 4. Tout en kusoma Luka sura yake 4. Luc chapitre 4. Luka sura yake 4. Versets 18 et 19. Kusomea 18 na 19. Luc chapitre 4, allons rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Luka sura yake 4. 18 et 19 versets nous lisons. 18 paka 19. L'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mm-hmm. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Mm-hmm. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mm-hmm. Pour renvoyer libres les opprimés. Mm-hmm. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Yesu katika Nazareth. Alléluia. Roho ya Bwana ni juu yangu. Mm-hmm. Kwa sababu amenitia mafuta kuhubiri habari njema kwa masikini. Haleluya. Kuhubiri wokovu kwa wafungwa. Mm-hmm. Na vipofu kupata kuona tena. Mm-hmm. Kufungua waliochubuka. Haleluya. Kuhubiri mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Haleluya. Amen. Si nous pouvons compléter ce verset avec un autre verset, Luc chapitre 2. Tutaenda kuchanga ile mstari tunasoma ku Luka sura ya 2. Luc chapitre 2 verset 10. Luka sura ya 2 kusomea 10. Mais l'ange leur dit: mm. Ne craignez point. Alléluia. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Mm-hmm. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Wachungaji wa kondoo. Alléluia. Malaika akawaambia msiogope. Amen. Wani tazama ninawaletea nyinyi habari njema ya furaha kubwa. Mm-hmm. Itakayokuwa kwa watu wote. Amen. 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 Ici,
C'est un roi qui vient de naître. Un roi qui vient de naître. Ce roi qui vient de naître. Si vous lisez ce qui est dit avant, dans le chapitre 4, là, au verset 18 et 19, le Seigneur dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mephibosheth était un pauvre. Il a eu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle l'a accompagné pendant un temps. Ici aussi, nous ici, nous ici, le Seigneur dit: je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire quoi? Annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Quand est-ce qu'on est pauvre? On est pauvre lorsqu'on a rien, lorsque ses besoins ne trouvent pas toute leur satisfaction. Alléluia. Amen. C'est alors qu'on est pauvre. Quand on a besoin des chaussures, on se retrouve avec des babouches. Quand on a besoin de vestes, on se retrouve avec un polo. Quand on a besoin d'un drap pour couvrir une pagne, c'est que quand on est pauvre, les besoins élémentaires ne trouvent pas solution. Ne trouvent pas solution. Même la nourriture n'est pas une bonne nourriture. Les pauvres, quand ils trouvent, ils mangent. Même si ce n'est pas bon, ils font l'effort qu'ils mangent seulement comme ça. Parce que c'est ce qu'il a trouvé. Il n'a pas de choix. C'est ça un pauvre. Quelle est la bonne nouvelle que le Seigneur amène aux pauvres? Il vient dire aux pauvres ceci: si tu as un besoin, demande-moi. Si tu veux quelque chose, demande-moi. Si tu veux quelque chose, demande-moi. Tu as besoin de vestes, demande-moi. Tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Je suis là pour toi. Alléluia. Amen. Je suis ici pour toi. C'est ça la bonne nouvelle que le pauvre n'a pas. Il est que le pauvre lui n'a pas. Il n'a pas. Tu as besoin de chaussures? Demande-moi. Tu as besoin d'une maison? Demande-moi. Tu as besoin de la bonne santé? Demande-moi. Moi je suis là pour toi. Je suis venu ici pour toi. Heureusement pour les pauvres. Heureusement pour les pauvres. C'est que Jésus lui ne partira pas comme David était parti. En laissant mon Mephibosheth. Sans suite. Mais le Seigneur Jésus lui, il est là éternellement. Il est avec vous éternellement. Vos besoins trouveront solution éternellement. Alléluia. Amen. Éternellement, vos besoins trouveront solution. C'est ça la bonne nouvelle qu'on annonce aux pauvres. Alléluia. Amen. Les pauvres n'ont pas une maison. Il n'a pas où aller. Je vous ai dit ce jour-là. Juste pour illustrer. Une maman me voit. Elle m'explique ce que j'ai expliqué ce jour-là. Elle me dit: je ne sais pas où aller avec les enfants. Tu n'as même pas une maison en construction.
même si ce n'est pas tolé. Nous allons juste mettre la bâche. Si tu t'avais ma patine, ma bâche. En fait, qu'on reste là-bas avec les enfants. Je ne sais pas où aller. Mais je dois quoi? Ah, regarde la maman là. J'ai eu des larmes, monsieur. Oh, ma chose, écoutez, Mouchiki. Si tu es dans cette situation là, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est lui. Le Seigneur est lui. A un toit pour toi. Tu vas dormir à l'aise. Parce que Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Aux malheureux. Aux malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh malheureux, le Seigneur a une bonne nouvelle. Quand vous lisez Ésaïe 61 verset 2, 61 verset 2, le Seigneur dit ceci: je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux affligés. Aux affligés. Alléluia. Amen. Les affligés, ce sont les gens très attristés. Profondément attristés. Les gens affligés. Ces gens-là, les attristés là, ou des gens qui vivent un malheur. Je suivais un jour à la télévision. Nous tous nous avons suivi. Sur France 24. Lors de la première vague de Corona. Ça a frappé terriblement en Italie. Le plus centre de l'Europe, c'était l'Italie. C'est là où le corona avait frappé fort. Quand on faisait les statistiques, j'ai vu qu'il y avait plus de 1030 morts. En 24 heures. Alors le soir en suivant l'information, j'ai vu les Italiens qui étaient en isolement, à genoux sur leur balcon. Sur leur balcon. Tout le monde a vu. À genoux sur leur balcon. Les Italiens ont demandé le secours de Dieu. Ils ont dit ceci: Éternel, pardonne-nous, viens à notre secours. Ça, j'ai vu de mes propres yeux. Et là où j'étais, j'ai dit en Italie: Corona va s'arrêter. Parce que le Seigneur est venu consoler les affligés. Alléluia. Effectivement. En Italie, Corona s'est arrêté pendant un temps. Parce que le Seigneur était venu consoler les affligés. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour ça. Yes, tout celui qui est affligé, qu'il appelle le Seigneur. Qu'il appelle le Seigneur. Qu'il appelle le Seigneur. Il viendra te consoler. Il a une consolation à apporter. C'est qu'il a fait. Le Seigneur est tellement bon. Parfois je me dis, sa bonté déborde. Sa bonté déborde. Les gens qui étaient à genoux là, en Italie, quand j'ai regardé les images, il y avait des lost, c'est-à-dire des cheveux tressés comme des femmes. Il y en avait qui avaient des tatouages. Il y en avait qui avaient ceci ou cela. Quand l'homme se met à genoux devant Dieu, Dieu considère sa sainteté. Dieu considère ce qu'il est. C'est pourquoi
le Seigneur, il est venu en disant, je suis venu consoler qui sont affligés. Écoutez, il ne peut pas toi te déplacer de toi-même jusqu'à la présidente de la République. Tu vas au président de la République. Tu vas à la présidente de la République. On appelle de regarder le président de la République. En train de chercher l'aide. Enfin qu'on t'aide. On t'aide. Je suis venu ici. Je veux voir le président. Enfin qu'on m'aide. Si tu crois un homme qui a une grosse voix comme la mienne ici. Toi tu viens d'où? De Lubumbashi. Lubumbashi à quel niveau? Lubumbashi first grade. À Kawam. Mukawama. Kawama c'est où? Kawama ni wapi? C'est sur la route Likasi. Ni mujia Likasi. Allez, quitte ici. Toka. Alléluia. Amen. Même si tu es en veste. Atakama kuna coach. Bien habillé. Una mzuri. Là-bas. Kule. On ne tient pas compte de tes vestes. Avata ona coach yako. Alléluia. Amen. Jésus lui, laquelle yes, yes. Jésus lui, yes. Même si tu es à lambeau, même si tu es sans chaussures, quand tu l'appelles, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est le maître, il viendra chez toi, là où tu es, il viendra là où tu dors, il viendra là où tu habites. Oh, il est Jésus, il est le roi, il est le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, 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 bon.